T'as un certain plaisir à la rétention. Ah non, c'est pas du plaisir. T'es effaré à l'idée d'aller dans le monde. T'es effaré à l'idée de devenir ta propre source, ta propre énergie, ton propre moteur et ta propre essence pour pouvoir avancer. Parce que tu t'apercevrais que c'est toi la source, autant de tes problèmes que de tes réussites. Tu es la source de ta vision négative de toi. Tu es la source de ta vision positive de toi. Tu es celle à blâmer, tu es celle à acclamer. Et donc pour éviter de te rendre compte de ça, tu crées une énergie de stagnation où rien ne bouge. Comme si le monde était figé. Dans certaines positions, comme si tout était figé. Ça me raconte que tu n'es pas digne de confiance. Tu préfères rester en retrait et valoriser ce côté non digne de confiance. Il faut absolument que tu respectes cette interdiction. Je ne dois pas être digne de confiance. Et pour ça, la meilleure manière que tu as à le prouver, c'est de ne pas bouger ta vie. Tu as peur de donner un coup de pied dans la fourmilière. Donner un coup de pied à la fourmilière, ça veut dire que tu as le pouvoir absolu sur tout ce qui se passe. Sauf que ça vient contrecarrer tes plans. Les plans que tu te fais concernant le fait que tu sois victime, le fait qu'il y ait toujours une excuse. Tu portes comme un étendard le fait que tu sois une victime. Le fait que, non, c'est pas moi, il y a toujours une excuse extérieure, intérieure. Mais si c'est à l'intérieur, c'est le passé, c'est les parents, c'est ceci, c'est cela. Il y a quelque chose qui gronde en toi. Une envie de mouvement lent. Mais qui est là? Quelque chose qui gronde et qui a envie que tu te mettes en marche, qui te donne l'impulsion que tu te mettes en marche maintenant. L'extérieur ne signe pas ta soumission. Merci pour ta question, Emmanuel.